On est une meuf, elle a voulu m'emmener dans un placard. Quoi? Raconte, raconte, parce que moi j'étais viewer fou. Genre j'étais avec mon cousin et après on faisait nos bails. Ah oh, non, 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 y a pas de Hein? bail à faire avec son cousin Quoi? déjà. Attends, 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 attends. Wesh. Bon, on va dire que faire ses bails ça veut dire juste se promener. Alors, genre j'étais avec mon cousin et après on se promenait. Il y a une meuf, elle dit venez, on fait action ou vérité. Elle nous dit va dans un placard, genre au sous-sol. On est allé ou non, il y avait cinq grands Wow. renois. Ah, c'est bizarre ton histoire, hein. Mais elle est chelou ton histoire, mon reuf. Mais par contre, comment ça tu faisais tes bails avec ton cousin? Explique, explique. Moi je pense que c'est une meuf parce que faire un bail avec son cousin, tu sais, dans le nord c'est commun, mais entre guillemets, tu vois, ça, enfin, je pense à ça. Oh putain, vaut mieux j'arrête de parler. Oui, vaut mieux t'arrêter de parler. Crêpe Crêpe humide. humide, même lui il s'y met. Tu veux que je te raconte d'où ça vient ce délire? Vas-y, raconte. En gros, dans un groupe de potes, il y a des délires de gênant, c'est gênant, tu sais, ils font exprès d'être gênants et tout. Et du coup, tu vois, quand t'es, comment ça s'appelle? À la fête foraine, les parcs d'attractions et tout. Il y a la crêpe au sucre et il y a la crêpe au Nutella. La crêpe au sucre, elle coûtait un certain prix. Et la crêpe au Nutella, elle coûte plus cher. Quand il y a un truc qui était un peu gênant, il disait crêpe au sucre. Et quand il y avait un truc très gênant, il disait crêpe au Nutella. Et depuis, après Ryan, je te laisse expliquer pour la crêpe humide. Après ça s'est fusionné en crêpe salée. Ah oui, c'est vrai, il y avait eu crêpe salée Ouais. entre-temps. Du coup, ouais, il y a eu crêpe salée, il y a eu plein de variantes. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser parce qu'une fois, tu vois, il proposait des crêpes, tu vois, à l'école, à acheter, tu vois, pour manger, tu sais, des gâteaux, des crêpes. Et genre, j'en ai acheté une et je me rappelle, elle était humide. Du coup... Et du coup, bah. Après avoir pensé à ça, tu vois, je l'ai remixé en crêpe humide. Et du coup, voilà. Du coup, crêpe humide, ça veut dire Non, gros n'importe profil. quelle situation on l'utilise. Par exemple, je sais pas, imaginons, il y a un mec, il est 1v1, il meurt, ah, crêpe humide. Il y a un truc gênant, crêpe humide. N'importe quoi, il tente un truc, il se fail, crêpe humide. Oh putain. Ah, crêpe humide, tu vois là, c'est une crêpe humide. Oh, si je me cache là. Bah non, crêpe humide. Tu vois, là par exemple, c'est une crêpe humide. Parce que je voulais me cacher, mais crêpe humide. Comme c'est incroyable de se dire que les délires qu'on a entre nous, entre potes, on est en train de les répandre sur la communauté. C'est incroyable. Oh, viens, on essaie de sortir. Et de team up avec eux. Ils vont nous allumer. Impossible. Ce sera une crêpe humide. Oh, non, 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 non. Il tire, il tire, il tire. Allez, tu donnes un bras, on prend une testicule. Ah, non, lui, il est gentil. Eux, ils sont gentils. Ok, c'est juste l'autre. Eux, ils sont gentils. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, putain. Mais tu vois, mais arrête de gémir comme ça, vraiment. J'ai que des armes électriques. Moi, je suis technicien. Je suis électricien, moi. Elle En est pas mal, fait, celle-là. non, mais c'est pas pour ça que je rigole. J'ai un pote qui met des jeans. Des jeans, comment dire? Des jeans très larges et de la classe. Les gens, ils disent, c'est un électricien. Yes, bébé. Alors, ça marche, mon frangin ami l'anglais. Il en qui un Samson à régular coupe extra gelée. Il s'habille comme un électricien. Il met des vêtements d'électricien. Je vais te dire la vérité. Depuis que je te connais, je prends beaucoup de plaisir et je me sens... Oh non, 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 non. Je m'attends au pire là. Et je me sens de bonne humeur. Quand j'ai fait mon opération, j'étais stressé. Je t'ai vu, je me sentais mieux. Je sentais mieux. Jure? Une opération de quoi? Oh, carrément là, c'est... Waouh, là mon cœur il frémit là. Qu'on me dise un truc comme ça. De tout mon pied, si je l'aurais pas fait, on me l'aurait coupé. Ah ouais. En plus, je connais un mec aussi, il a fait une opération du pied. Et du coup là, il va faire l'autre pied en juin. Je rigole parce que je repense au mec. Tu connais Nassim, il fait des pranks pour. Ah, bien sûr. C'est pas Ouais. Un juin pendant le mois de juin, un double juin. Et ça m'avait trop fait rire. On a fait un contrôle et toute la classe lui a supplié pour qu'on mette une musique pendant le contrôle. Une musique? C'est lui qui a choisi la musique. À ton avis, il a mis quoi? Il a mis Francky Vincent, tu veux mon zizi? Non. Ah, Il a commencé à mettre du Bob Marley, frère. Hey, il était en train de s'ambiancer dessus, frère. C'était trop drôle. Du bon malin. Attends, si je comprends bien, en plein contrôle, le prof de techno il vous a fait écouter du Bob Marley. Il nous a dit, ouais, c'est la première fois que je le fais. Ah, mais Putain. t'inquiète pas, ça arrive pas souvent, bien sûr, première fois. Déjà, il a mis du Bob Du Marley, Bob il était Marley. sur son bureau en train de s'ambiancer. C'est qui a voulu mettre du Oui, Bob Marley? ah, c'est le prof! Ah, mais c'est lui! Nicolas en 6ème, il avait eu un mot parce qu'il avait pété en classe. Il avait écrit. Sur le mot, il avait écrit
Nicolas aurait-il des problèmes de gaz? Il fallait faire un discours de à peu près 2 minutes 30. Oh putain. En fait, il se présente, après il dit... il dit « I like playing video games ». Je me dis « bah si ». Peut-être qu'il voulait vraiment se présenter beaucoup. Après il dit « après il dit I like League of Legends ». League of Legends and World of Warcraft. Attends, mais tu sais le plus drôle dans tout ça, il c'est était que je l'ai aidé à faire ça. Ah bon? Ah bon? Il parle de League of Legends. Non, en gros, au tout début, eh, ça ressemblait à rien. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des mots. Je suis... Hello, I am Imed, I like League of Legends. Tu savais qu'il disait... Ça.